Bonjour à tous, il est 14, bientôt 14h. Le live de la conf de Magali va bientôt commencer. N'hésitez pas à utiliser les questions, on verra ça après. Voilà. Du coup, Magali, je te laisse la place. Ok. Bonjour, je suis Magali et je travaille dans le social. Non, attendez, je recommence. Bonjour, je suis Magali et je suis développeuse web. Désolée, il y a des réflexes qui restent un petit peu ancrés quand même. C'est pas forcément le plus gros challenge dans une transition, dans une reconversion, mais ça en fait partie. Apprendre à se voir comme faisant vraiment partie du métier. Moi, comme je suis passée du social à la tech, cette transition se fait vraiment à tous les niveaux. Globalement, je me suis réveillée un matin, j'avais 32 ans, et je me suis dit, tiens, si je partais dans un métier qui est diamétralement opposé à tout ce que je connais. Je ne vais pas vous mentir, cette Magali de ce matin-là, avec son idée un peu tordue, ça n'a pas toujours été ma meilleure copine. Parce que bon, moi, j'étais quand même dans un métier où notre spécialité, c'était l'humain, où on était presque tout le temps en mouvement, où les femmes étaient majoritaires, et où nos outils technologiques, c'était la suite Office ou le fax. Ouais, le fax. Pour ceux qui en doutent, ça existe toujours. Alors, vous imaginez bien que si j'ai fait une reconversion, c'est parce que j'avais envie de changement. Je ne trouvais plus dans le social ce qui m'avait fait aller dans ce domaine à la base, et quand j'ai subi un licenciement économique, j'ai sauté sur l'occasion pour changer de boulot. Après des semaines de bilan et de recherche, la Magali, qui n'est pas toujours ma meilleure copine, elle a eu son idée un peu bizarre. Bon, j'arrête pas de dire que c'était une idée bizarre, tordue, mais en fait, c'est moi qui ai été surprise quand j'ai commencé à en parler autour de moi, à mes proches, mes anciens collègues, les personnes qui m'accompagnaient dans ma reconversion, et qu'ils ont tous trouvé ça très cohérent. Il faut dire que tous les questionnaires que je remplissais jusque-là, pour essayer de me guider dans mes recherches, me mettaient développeuse web dans le top 3 des possibilités. Donc je fais genre que c'est une idée révolutionnaire, mais il semble que ça a été une surprise que pour moi. Après tout, j'ai toujours été une utilisatrice très très active sur Internet. Dès l'adolescence, ma socialisation hors lycée se faisait principalement sur Internet, à travers les chats, les forums, MSN, ICQ, AIM. Et j'ai toujours été celle à qui on demandait de former les collègues sur les nouveaux logiciels, de créer des outils du genre des tableaux Excel, de réparer les imprimantes. Ce que je ne sais toujours pas faire. Toute la période centrale de cette reconversion s'est super bien passée pour moi. Ça a été une période hyper positive, que ce soit la recherche de la formation en elle-même, le stage, le passage du titre professionnel et même l'embauche à la sortie, tout a paru super fluide. Épuisant, mais fluide. Tout s'est enchaîné très naturellement. J'ai commencé la formation le 6 mai, passé mon titre professionnel le 12 novembre et signé le CDI le 25 novembre. Les personnes qui m'ont embauchée à la sortie de l'école, après un stage chez elles, étaient en train de monter leur entreprise. J'aimais beaucoup leur projet parce que l'idée, c'était vraiment que je participais à la création d'une équipe. On me faisait confiance pour faire mon travail et j'alternerais entre des projets en CMS pour les clients, histoire de gagner un peu d'argent pour l'entreprise, et des projets sur le long cours où on faisait du from scratch et où je pouvais m'éclater sur du bac. On promettait beaucoup d'accès à la formation, une montée en compétences très très rapide et beaucoup de possibilités d'évolution. Le rêve. Sauf qu'au bout de 3 mois, je savais que ces promesses ne seraient jamais tenues. J'ai très vite eu mes doutes, mais quand mes deux patrons sont arrivés un matin et nous ont fait comprendre à ma collègue qui était aussi junior que moi et moi, qui voulait qu'on code un équivalent de Tinder from scratch en 3 semaines, j'ai ma réaction flic qui s'est enclenchée. Grosse envie de courir chez moi, de me mettre sous la couette et de binger Battlestar Galactica. À partir de là, ça a été la dégringolade totale. Ma collègue a démissionné dans les 2 mois et moi, j'ai pratiquement plus touché au code en dehors de mon temps personnel. Au niveau du travail, je me suis retrouvée à faire du CMS constamment et même pas côté développeuse, mais vraiment côté intégratrice. Pour ceux à qui ça parle, je ne faisais pas du WordPress, je faisais du Wix. Et là, j'ai été confrontée à la réalité de ma situation. J'étais une développeuse, bac, qui sortait d'un bootcamp de reconversion et dont la première expérience ne lui donnait aucune expérience sur le bac. C'était la cata. Plus je regardais les annonces, plus je voyais à quel point les entreprises ne voulaient pas de moi. C'était l'angoisse totale. On m'avait vendu un métier où on pouvait entrer sans diplôme
Et pourtant, toutes les annonces que je voyais pour des postes juniors demandaient des diplômes universitaires, de l'expérience, la maîtrise d'à peu près 3 millions de langages, frameworks et logiciels. J'ai même pas osé envoyer un seul CV. Encore une fois, j'avais grave envie de m'enfermer dans ma chambre et de regarder Firefly en boucle. J'ai réfléchi un peu et j'ai décidé que je resterais dans mon entreprise au moins un an pour pouvoir avoir un peu d'expérience sur le CV et qu'à partir du un an passé, je commencerai à candidater. Évidemment, l'idée, c'était de profiter de ce temps pour me former le plus possible en dehors de mes heures de travail. Très honnêtement, jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas réalisé à quel point les reconvertis étaient mal vus dans notre industrie. J'avais été tellement occupée à faire ma reconversion, puis à commencer un nouveau boulot, que je n'avais pas vraiment eu le temps de me poser la question. J'avoue que j'avais deux biais qui faisaient que je ne m'étais pas rendu compte de ce souci. Le premier, je viens du social. Le social a des tas de problèmes, et je pourrais vous en parler pendant des heures si vous me lancez sur le sujet, je vous déconseille de me lancer sur le sujet. Mais s'il y a une chose qui n'existe pas vraiment dans le social, c'est bien le gatekeeping. Au contraire, dans le social, on recherche des gens avec des profils divers. On recherche la diversité et on recherche particulièrement les reconvertis parce qu'on considère qu'une première expérience ne peut qu'apporter de la richesse pour travailler dans le social. Personnellement, dans le social, j'ai travaillé bien plus souvent avec des reconvertis qu'avec des gens qui avaient directement été vers le social. J'ai eu des collègues qui venaient de la banque, qui venaient du sport, qui venaient de l'armée, qui venaient de la vente. Vraiment, j'ai travaillé avec tout type de personnes. Donc, mon premier biais, cette expérience dans le social vis-à-vis des reconvertis. Ensuite, j'avais une autre hier par rapport à ça, c'est que pendant ma formation, mon seul lien avec la communauté de dev, c'était le Twitter anglophone, et donc très souvent américain. Et bon, je n'irai pas jusqu'à dire que je voudrais qu'on suive les Américains comme modèle, mais de ce que j'en voyais sur Twitter, en tout cas, je voyais très souvent des juniors qui avaient appris par eux-mêmes, qui codaient depuis moins de 6 mois, et qui avaient été embauchés dans des boîtes sur des postes super intéressants. Vraiment, j'avais l'impression que là-bas, ça ne posait pas du tout de problème, la question de la reconversion. Par contre, quand j'ai commencé à faire un vrai réseau sur LinkedIn et que j'ai cherché à suivre des devs francophones sur Twitter, là, la question sur les capacités, les compétences des reconvertis semblait revenir constamment. Et très vite, j'ai pu voir deux arguments principaux dans les débats. Le premier, on ne peut pas apprendre à coder en quelques semaines. Bon, je suis désolée. Ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde, mais c'est faux. En sortant de mes 4 mois de bootcamp, je savais coder. Pendant mon stage, j'ai fait le boulot d'une dev. J'ai enchaîné sur le CDI. À aucun moment, je me suis sentie incompétente. J'avais les bases solides qui me permettaient de faire le job d'une débutante. Et quand je ne savais pas la solution à un problème, j'avais tout ce qu'il me fallait pour les trouver. Globalement, au niveau débutant, on trouve quand même tout sur Internet. Les quelques fois où j'ai essayé de discuter avec des gens qui avaient cet argument, il me disait que clairement, je ne pouvais pas maîtriser 10 langages en quelques semaines, que je ne pouvais pas comprendre en profondeur l'architecture, ou me sortait des choses hyper précises et spécialisées que je ne pouvais pas connaître en si peu de temps. Mais qui demande ça à une junior? À la sortie de l'école, les seniors d'aujourd'hui savaient exactement tout ce qu'ils savent maintenant? Vraiment, c'est ce que ce genre de discours donne comme impression. Pour moi, tout le monde commence au bas de l'échelle et monte en compétences. Je ne vois pas pourquoi ce serait différent avec un reconverti. Le deuxième argument que je vois souvent dans ce genre de discussion, c'est un reconverti n'a pas vraiment la passion. Autrement, il aurait choisi d'être dev dès le départ. C'est de l'opportunisme. On pousse plein de gens vers cette formation qui n'ont pas le profil, pas la passion, et qui veulent juste facilement trouver un emploi et bien gagner leur vie. Bon, déjà quand bien même, on peut considérer que dev est un métier alimentaire, et bien le faire. Je connais des gens qui font des métiers qui ne les intéressent pas du tout et qui sont de très bons professionnels. Bizarrement, quand je payais mes études en faisant de la saisie informatique, personne ne se posait la question de savoir si ça me passionnait ou pas. Clairement, ça ne me passionnait pas. Pourtant, j'étais hyper productive. Quant à la question de la passion de base, alors là, je vais avoir une petite anecdote. À l'adolescence, donc, je vous l'ai dit, j'appartenais à pas mal de communautés web, dont une ou plusieurs des garçons codaient. Moi, j'aimais bien l'idée de pouvoir créer des sites web. Et comme j'étais plutôt à l'aise avec les maths, la logique, tout ça, ça faisait partie des nombreuses idées que j'avais pour mon orientation future. Je suis allée voir des professionnels pour m'aider à déblayer un petit peu tout ça. Et quand je leur en ai parlé, on m'a très largement déconseillé de partir vers l'informatique. C'était un domaine sans avenir. Et je n'aurais pas de possibilité d'évolution. J'allais m'ennuyer toute la journée devant un écran. Et en plus, de toute façon,
c'était un métier d'homme. J'ai passé mon bac en 2006. Le fait qu'on ait pu me dire que l'informatique était un domaine sans avenir au début des années 2000 est complètement hallucinant. Bien évidemment, on n'a pas dit ça à mes copains garçons intéressés par le code. Plusieurs sont d'ailleurs devenus développeurs. J'ai pas de regrets vis-à-vis de ça et j'essaye pas de réécrire l'histoire. Mon parcours a été très intéressant. Bizarrement, personne ne m'a dit qu'une fac d'anglais, il n'y avait pas d'avenir. Je suis contente de mon parcours malgré tout, mais ça ne vous pose pas question, à vous, qu'on m'ait dit en 2004-2005 que l'Internet n'avait pas d'avenir. Je ne vais pas réinventer l'eau chaude, et je n'ai pas le temps de développer un sujet aussi vaste dans cette conférence, d'autant plus que j'ai déjà eu du mal à rentrer dans le cadre du temps, mais j'aimerais qu'on fasse une petite tangente. Il y a moins d'un tiers de femmes dans la tech. Historiquement, c'est loin d'avoir toujours été le cas. Les arguments du genre « oui, mais les femmes ne sont pas intéressées par ça », ou pire « oui, mais les femmes ne sont pas douées pour ça », ne tiennent pas du tout le coup, rien qu'à voir l'historique de notre profession. Développeuse, c'est-à-dire programmatrice, à la base, c'était un travail féminin. Avant, on considérait que les vrais ingénieurs, c'était ceux qui s'occupaient du hardware, la programmation, le software, c'était un métier de secrétaire. Donc un métier féminin, donc pas super bien payé par ailleurs, ni super bien vu socialement. Quand l'informatique a explosé, et que d'un coup, c'est devenu une industrie où il y avait de l'argent, du pouvoir, du positionnement social, bizarrement, le métier de programmateur s'est mis à intéresser les hommes qui ont gentiment poussé les femmes vers la sortie et décrété que c'était un domaine typiquement masculin. J'ai lu un livre super sur le sujet qui s'appelle Coders par Clive Thompson. Je recommande, c'est vraiment passionnant. Quoi qu'il en soit, du coup, moi avec mon expérience de jeune adolescente à qui on a déconseillé d'aller vers le web, à chaque fois que je parle à une femme qui fait une reconversion dans le dev, je lui demande si c'est une idée qu'elle avait déjà à l'adolescence ou si c'est une idée plus tardive, une découverte plus récente. Beaucoup de femmes me répondent qu'elles avaient l'idée à l'adolescence et que soit on les a découragées, soit elles n'ont pas osé d'elles-mêmes. Donc l'argument du « si vous aviez vraiment la passion, l'envie, vous seriez venu plus tôt », c'est absurde. Il y a des milliers de raisons pour lesquelles les gens peuvent ne pas avoir pu suivre une passion. Quand un milieu est dominé par un profil, c'est difficile pour les profils différents d'y accéder, que ce soit à cause du gatekeeping, par une sorte de bienveillance mal placée, ce qui est arrivé, je pense, dans mon cas, où on a dû se dire qu'affronter un domaine masculin serait trop difficile pour moi, ou parce qu'on s'autocensure. S'il n'y a personne qui me ressemble dans ce groupe, c'est que je n'y ai pas ma place. Et donc, là où je veux en venir, c'est que la reconversion, c'est une façon différente d'accéder à ce milieu. C'est un peu entrer par la fenêtre. Bon, c'est une expression un peu éculée, mais elle est plutôt parlante et c'est un peu l'impression que j'ai depuis 2 ans. Je ne me sens pas vraiment à ma place. Je suis une trentenaire grande débutante. Je n'ai pas vraiment le jargon de l'entreprise. J'ai des réflexes du social. Bon, le bon côté, c'est qu'on a la même obsession pour le café, donc là-dessus, je ne suis pas perdue. Et je suis en dehors du profil type, rien qu'en étant une femme. Pour autant, ça fait 2 ans que je creuse mon trou et que je fais ma place. C'est plus long que si j'avais fait les choses en direct. Mais bon, je suis là devant vous à faire une conférence, ce qui prouve bien finalement que j'ai des choses à apporter. Alors, peut-être pas encore du côté technique. Je suis encore junior à ce niveau-là, je le reconnais. Mais j'ai pratiquement 20 ans d'expérience de travail derrière moi. J'ai été formée à la gestion des conflits, au travail d'équipe, à l'écoute, des choses qui ne sont pas priorisées dans le monde de la tech. Ce qui fait que travailler ensemble n'est pas toujours simple. J'ai appris à désescalader les conflits. M'avoir dans une équipe, c'est avoir quelqu'un qui saura calmer les situations explosives. Dans mon ancien boulot, être menacée au couteau de boucher par les jeunes que j'accompagnais ou menacée par la BAC, qui était censée être nos partenaires, c'était une journée relativement normale. Vous pouvez imaginer qu'une crise au sein de l'open space, ça ne me fait pas trop peur. Je ne dis pas ça pour me vendre, je ne suis pas en recherche de boulot, mais je trouve important de réaliser que les soft skills, c'est autant important dans un métier comme le social que dans un métier technique comme le nôtre. On n'est pas tout seul face à notre machine. Il y a les collègues, les supérieurs, les clients, les utilisateurs, tout travail est humain. Et n'importe quel reconverti apporte avec lui des soft skills. Et il y a la tech aussi, le produit, ce qu'on essaie de créer. Je l'ai dit, niveau technique pur, j'ai pas grand-chose à apporter à un groupe de développeurs seniors. Mais avec mon profil différent, mon parcours différent, mes expériences différentes, je peux voir certaines choses que ce groupe de développeurs qui ont à peu près le même profil ne verrait pas forcément. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en octobre 2019, Christina Koch et Jessica Mer ont fait les réparations sur l'ISS pour une première mission historique de sortie dans l'espace 100% féminine. Est-ce que vous vous souvenez que cette mission, à la base, elle devait se passer en mars 2019?
Et est-ce que vous vous souvenez pourquoi elle a été annulée? Parce qu'il n'y avait qu'une seule combinaison de taille M dans la station. Préparant la mission, à aucun moment, qui que ce soit n'a pensé la possibilité que les deux femmes de la mission puissent sortir dans l'espace en même temps. Ça a fait un petit scandale à l'époque, parce que bon, à quoi ça sert d'envoyer des femmes dans l'espace si elles ne peuvent pas faire la même chose que les hommes? Mais surtout, pour un organisme plein de génies comme la NASA, le fait que personne n'ait pensé à ça, c'est un peu comme cette histoire qu'il y avait eu des voitures autoconduites de Google qui ne reconnaissaient pas les personnes noires comme des personnes. En gros, ça veut dire que pour l'intelligence artificielle, les personnes blanches étaient vues comme des personnes, mais les personnes noires étaient vues comme des obstacles. Donc, à choisir entre percuter une personne blanche, une personne noire, vue comme un obstacle, la voiture choisissait de percuter une personne noire. Ça, ils ne s'en sont pas rendus compte genre dans les premières phases de développement. Ils s'en sont rendus compte alors qu'ils étaient déjà bien avancés dans la communication sur leur travail et tout ça. Il y a plein de problèmes comme ça dans la tech. Et pas seulement d'ailleurs. J'ai appris récemment, en lisant le livre « Femmes invisibles » de Caroline Criado-Pérez, que les femmes ont plus de tendinite au bras parce que les poignées de porte sont adaptées pour les hommes et pas pour les femmes. Dans son livre, que vraiment je recommande, l'autrice passe en revue tous les domaines liés à la vie, l'architecture, la médecine, la technologie, tout, et montre à quel point le fait qu'on prenne l'homme comme modèle pour tout ça rend la vie des femmes compliquée. Ça, c'est totalement transposable à la tech. Et pas seulement qu'à la question homme-femme, mais aussi à la question des personnes blanches, des personnes racisées, mais aussi la question des classes sociales, de l'éducation, du handicap. Les sites seraient certainement plus accessibles s'il y avait plus de développeurs handicapés dans les équipes. Les technologies mieux adaptées à la diversité d'utilisateurs si les équipes qui construisaient ces technologies étaient elles-mêmes plus diverses. Pour la blague, récemment, je suis allée à une convention et j'avais encore mon petit ordinateur pourri de ma reconversion, j'avais pas encore eu le temps de changer d'ordinateur. Et le logiciel pour la convention virtuelle n'a jamais voulu fonctionner sur mon ordinateur. L'équipe qui avait organisé la conférence n'était pas du tout surprise. Il savait qu'il y avait des limites à ce logiciel, qu'il fallait un ordinateur puissant pour l'utiliser. Ça n'avait été dit nulle part. Peut-être que si dans l'équipe, il y avait quelqu'un qui avait réalisé qu'on pouvait et être travailleur dans la tech et travailler sur une très mauvaise machine, ils auraient pensé à le préciser plus tôt. Il y a le même problème en convention en présentiel. Moi, je suis grosse. Quand j'arrive en convention, à chaque fois, je dois demander à ce qu'on me sorte un siège sans accoudoir parce que tous les sièges sont inadaptés. Ils ont des accoudoirs. C'est toujours un enfer. Pas parce que les gens sont de mauvaise volonté, les gens se plient en quatre pour essayer de me trouver un siège en général, mais parce qu'ils n'ont pas prévu. Personne n'y a pensé. Si vous avez une grosse dans votre comité d'organisation d'une conférence, je peux vous dire que la question des sièges sera abordée. Tout ça pour dire qu'on a tous nos biais. Et que si on ne diversifie pas un petit peu les membres de notre équipe, on risque de passer à côté de gros problèmes potentiels dans notre produit. Pour moi, c'est un argument hyper vendeur sur le recrutement des personnes en reconversion. Entre cette amélioration du produit et tout ce que les personnes en reconversion peuvent apporter à une équipe en interne, ça ne devrait pas faire débat. D'ailleurs, ça ne fait pas débat pour tout le monde. J'ai eu la chance de croiser le chemin de gens qui n'essayaient pas de me claquer la porte au nez. Je suis loin d'avoir eu le parcours le plus difficile et j'aurais du mal à peindre un tableau tout noir de notre industrie. Après tout, quand j'ai proposé une conférence, on m'a tout de suite accepté et on m'a accompagné pour la préparer avec beaucoup de bienveillance et de respect pour ce que j'avais à dire. Et je suis finalement sortie de ma mauvaise situation professionnelle. Je suis à présent freelance, je fais des sites par moi-même, j'ai des clients qui me font confiance. Et en plus, on est venu me chercher pour être formatrice pour des personnes en reconversion. Donc, je suis loin de dire que c'est impossible. Seulement, quand je pense aux prochains reconvertis, quand je pense à toutes les personnes dans notre industrie qui n'ont pas le profil auquel on s'attend, et quand je pense à toute la richesse à côté de laquelle on risque de passer, ce que j'ai envie de vous dire, après 2 ans à essayer d'entrer par la fenêtre, c'est « ouvrez-nous la porte ». Voilà, voilà. Du coup, j'avais fermé le chat. Comme vous avez vu, je l'ai fait un peu en sprint. Donc, je regarde maintenant. Je crois que tu as une question. Deux questions. Alors. Il nous reste 1 minute. De toute façon, Jérémy va partager le lien du talk suivant pour ceux qui veulent y aller. Tu peux rester pour répondre aux questions.
Vous savez. Ouais, moi, je veux bien rester pour répondre aux questions pour ceux qui veulent. Je suis désolée, c'est vrai que j'étais très ric-rac sur le temps. Pas grave. Est-ce que les formations courtes de reconversion ont des passerelles vers l'emploi ? Pas vraiment. C'est-à-dire que c'est à nous de retrouver un emploi directement après, en fait. Ouais. Bon. Vous avez coupé ? Je ne sais pas. Tu as disparu. Ah, pourtant, je répondais à la question et du coup, j'ai répondu sans me rendre compte que j'étais coupée. C'est ça. Donc, du coup, tu peux recommencer ta réponse. C'est ça. Alors, est-ce que les formations courtes de reconversion ont des passerelles vers l'emploi ? La mienne n'en avait pas. C'est-à-dire que nous, on devait trouver nous-mêmes notre emploi ensuite. Il y a quelques formations que je vois apparaître dernièrement où il y a directement des partenariats avec des grosses entreprises. Donc, j'imagine que c'est en train de se mettre en place, en fait. Et une autre question qui était, qui pourrait changer quelque chose au gatekeeping envers les devs reconvertis ? Bah, nous, les devs. Je pense vraiment qu'on a tous à essayer de dépasser nos biais à ce niveau-là. Et vraiment, même moi, en tant que reconvertie, je m'inclus dedans. Il faut vraiment qu'on essaie de revoir un petit peu comment on... Enfin, c'est très ambitieux, hein, mais comment on voit notre industrie et comment on voit notre travail. Parce que je pense que aider les devs reconvertis à atteindre un niveau technique tout en prenant de leur richesse sur ce qu'ils ont à apporter, c'est un bon équilibre et il faudrait trouver un moyen de réussir à le faire, quoi, et de réussir à dépasser un peu tous les biais qu'on a qui font qu'on a l'impression que forcément ça va être très compliqué de travailler avec des reconvertis. Je regarde rapidement ce qui avait été dit sur le chat, du coup, parce que je suis curieuse. Ok. Super. Je vois qu'il y a eu des gens qui étaient d'accord avec ce que je disais au fur et à mesure. Super. Ouais. Si un junior veut apporter de nouveaux points de vue, des nouvelles idées, c'est aussi important qu'un niveau technique, dit Ulrich Renaud. Je suis d'accord. C'est tout mon argument, en fait. Je trouve que c'est super important. Merci à tous. Je vois vos félicitations et vos merci, parce que du coup, j'arrive... Ben, merci à tous d'avoir suivi. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui sont là. On l'a perdu, sauvé là. Non, j'étais toujours là, je répondais dans le vide, mais j'étais là. Bah, merci à tous, en tout cas. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de monde. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Moi, je peux encore... Moi, je suis disponible. Autrement, je peux... Bah, comme je disais, soit je peux laisser la room ouverte ici, soit vous allez sur Work Adventure, comme tu préfères. Bah, si ça ne dérange pas, je veux bien laisser la room ouverte tant que... Okay. Encore... Et ben moi je vais aller sur l'autre alors. Et ben... Ok. Et du coup si jamais quand j'ai fini je quitte et c'est tout. J'ai rien à faire. C'est tout. Et je repasserai fermer la room après. Ok super. Merci.